Il est midi. Chaque passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, le journal qui apprend toute nouvelle. Quitte en Haïti, quitte le Bobo, la guéou dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Jeudi 31 octobre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le dernier sorti journal Gazette Créole pour ce maintenant et pour le mois d'octobre là tout. Mais quand nous allons développer dans le journal ça, 1223 monde mourit, 622 l'autre blessé dans le cadre de violence sans gang et puis lutte contre un groupe criminel. Sorti mois juillet pour septembre 2024, ces chiffres bureau intégré Nations Unies en Haïti bail. Parmi les victimes, il y a 60 monde qui a peine 10 ans d'après un rapport binien qui parle tout de 70 monde. Un bien qui kidnappé et qui joue une libération yo après l'agent pour même période là par rapport avec situation de sécurité avec violence en bio intégré Nations Unies recommandé communauté internationale là pour toujours qu'il y ait Haïti sous agenda et puis et mettez plus pression sur déploiement toute en mission multinationale soutien à sécurité ya gagné et gang bandit dans gang savien qui pas capable en bien continuer venir faire et actes criminels sur national numéro 1 dans zone Kafoupey à cause présence renforcée la police en bandits obligé en bien continuer à terroriser habitants dans zone qui en dans sa vie qui pas gagné présence la police bandits a kidnappé hier mercredi yon dizaine de paysans dans Doko yon localité qui entre commune Dessalines à Tirivière la Tibonite d'après ça Bertide Horace rapporté porte-parole comité dialogue là confirmé yon l'autre bord que bandits dans gang Kokwa Tsan Rasta avec allié yon l'autre gang qui les 5 étoiles mené yon attaque mardi 29 août dans niveau marché de l'Esther mais la force l'audio te repousser bandit sa yo d'après madame Horace qui démenti information qui t'a fait quoi il y a une dizaine de monde qui mourit pendant attaque ça mais il y a plusieurs bandits qui t'a blessé. Gagnon rencontre qui t'a doué fait qui t'est doué fait à mercredi après-midi dans village d'accueil dans Musso en tant conseil présidentiel transition et puis premier ministre Gary Conille sous présence sous mercenaire étranger qui t'a présent dans pays a dans une lettre réponse bah la présidence la prématurement dit pour reporter rencontre ça pour semaine qu'a venir et CPT a un choix pour le fixer qui joue dans semaine ancien ministre sans portefeuille sous présidence Jovenel Moïse Mathias Pierre qualifié de distraction dénonciation ministre justice de un complot qui visait assassiner le premier ministre et Gary Conille avec quelques ministres liés. Vive tension à mercredi dans Tigoua, côté de gen barricade caoutchouc tap boulé dans diverses rues dans villa à mouvement ça vini à cause gen quelques membres de la population qui dénonçaient l'installation Jean-Fritz Patterson d'Orval comme nouveau commissaire gouvernement Tigoua qui remplaçait maître Pierre Elliott Paul. Mais autorité transférée dans paquet au CAI qui ont dizaine d'élèves qui arrivé blessé. Le témoin chantonné pour développement.sayo. Pour présenter au journal Sagnien, Harry Junior, Désir, Café Manœuvre Technique, Épidémique, Croix, Léon, Kier Civil. Bonsoir Harry, bonsoir tout le monde. Bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le développement premier parti journal là. 1223 monde rivé mouri, 522 l'autre blessé dans le cadre de violence gang yo et puis dans la bataille contre criminel sa yo. Soti à mes actes arrivés et monde sa mouri et soti juillet pour septembre 24. C'est un bel chiffre. Bureau intégré Nations Unies en Haïti bay. Parmi victimes yo, gen 60 monde qui a peine 10 ans. D'après rapport binien qui parle de tout, gen 70 monde qui était kidnappé, bandit kidnappé, qui n'a pas joué de libération yo, contre un rançon. Sont pendant même période là en bien majorité Kasayo en bien arrivé dans zone métropolitaine Port-au-Prince la Tibonite et puis dans grande danse d'après rapport qui rappelait pendant et trimestre et avril rivé juin pour 1945 monde mourit et puis 434 l'autre blessé à cause violence avec
gang yon nan pays d'Haïti bin nu di li gen gòkè sote tout par rapport avec azak violence sexuelle qui continue à faire en ben sou femme actifi plusieurs victimes en ben té attaqué alors que yo t'ap déplacé à pied ou bien nan machine nan trafic ben gen quelqu'un nan yo qui mouri après bandit té fin violé yo impact à violence sou ti moun nan rete yon gòkè sote pendant en troisième trimestre lan pour 59 garçons et puis filles en mourir et puis blessé par ça y monde ça y des victimes zak assassinat blessure enlèvement et puis violence sexuelle mais timon ça y yo même tout victime de mauvais traitement par rapport avec gang yo qui a recruté timon pour rentrer dans base d'après sa binu rapporté par rapport à situation sécurité et puis violence là bio intégré Nations Unies en Haïti recommandé communauté internationale là pour toujours kembe Haïti dans agenda yo et puis mettez plus pression dans déploiement tout en mission multinationale sous sécurité bien conformément avec un principe la question droit monde gagner gang yo gagner bandi dans gang ça vient qui pas capable ben venir sur route nationale numéro 1 dans zone Carrefour Pay pour venir faire acte criminel par rapport avec présence renforcée la police qui obligé à terroriser habitants dans zone en dans en ça vient yo qui pas gain présence la police bandi ça kidnappé hier mercredi a yon dizaine de paysans dans zone Doko localité qui situé entre commune Dessalines activé la Tibonite d'après sa Bertine Horace rapporté porte-parole comité dialogue la fumé yon l'autre bord bandi yon nan gang kokwat sans race avec allié yo yon l'autre gang qui relé 5 étoiles mené yon l'autre attaque mardi 29 octobre passé à dans zone marché listé ben bandi sa yo force yo t'a pral contrecarrer avec yo pour repousser yo d'après madame Horace qui démenti information qui t'a fait quoi gen yon dizaine moun qui mouri pendant attaque ça mais li fait konnen ke gen plusieurs bandi qui t'a blessé Bertie Horace journée mardi 29 octobre là c'était une journée de tension litéye donc nous-mêmes dans le département de l'Artibonite par rapport avec attaque gang Kokorat sans race avec Aliel gang 5 étoiles là donc qui était attaqué communauté là donc par rapport avec nous était capable de marcher l'Esther donc ces journées marché l'Esther qui est lié donc surtout avec intervention que la police t'a fait dans Kafoupey qui était délogé base gang griffe t'a metté sur route nationale numéro 1 dans Kafoupey là donc qui était vinn plus ou moins mettre moun yo en confiance nan kad deplasman yo pou te kapab ale nan mache l'Esther. Donc gang Kokorat sans race, terroriste Kokorat sans race yo, donc yo même qui te profité de situation ça pour que yo te attaqué communauté a. Donc heureusement la police te répond à temps donc pou te kapab protéger communauté a qui empêcher que te gagne de gros dégâts en dans communauté a par rapport avec attaque armée ça que te mette tête li ensemble avec Aliel donc pou te attaqué population hein. Côté que gagne blessé dans camp population hein. Donc c'est une dame à travers une balle perdue et pas gagne mort donc ni pas bon côté policier yo tout donc pas bon côté gang yo gen des informations qui t'avait fait nous croire que gen un gang yo qui blessé mais pas gen mort dans cadre attaque ça qui t'est faite dans commune l'Esterlan parce que la police te répond à temps pour que yo t'es capable anticiper pour empêcher gang nan te commettre de gros dégâts de gros massacres gens que yo même yo t'es annoncé gens que yo t'es prévoir là donc ça pas de camper monsieur gang griffio donc qui continuer dans attaquer l'autre section communale yo côté qui vulnérable qui pa gen présence la police côté que population ça libre yo très vulnérable gen dans troisième section Deloné côté que monsieur yo allé dans localité Deloné dans troisième section commune petite rivière de l'Artibonite et ben bandit terroriste grand griffio yo même qui volait tout bête paysan yo cochon cabri cheval paysan ça yo était possédé donc qui c'était l'unique espoir yo même qui allé dans localité Cléto et Matogo qui entre 4e section commune Dessalines et 2e section commune Petite Rivière de l'Artibonite et bien côté que monsieur gang griffio terroriste ça yo même qui kidnappé environ 12 paysans donc nous t'es capable dit donc c'est même ravage là monsieur yo fait entraînant toute la cour de paysans yo qui habitait dans zone ça yo donc qui volait bête yo donc n'a dit que jusqu'à présent gang yo même qui vinn dans difficulté pour yo fréquenter route nationale numéro 1 pour aller kidnapper moun, kidnapper machine, voler marchandise moun. Donc par rapport avec nous t'es capable d'intervention que la police t'a fait pour déloger base yo t'a metté sur route nationale numéro
un en Kafoupey côté yo te mette poste ya. Donc la police qui continue rete là pour consolider sécurité communauté ya. Donc vin mette yo en difficulté et eh bien kounye a ces petits paysans qui dans l'autre section communale qui plus reculé yo eh ben c'est yo même qui vient subi violence en bas main gang nan dans sens ça n'a demandé pressé pour la police faire opération pour craser base gang yo parce que c'est seule façon nous capable sentir que nous en sécurité tout autant présence gang yo là donc eh ben yo même y a toujours cherché d'autres zones qui vulnérables qui pas gagné moyen de défense donc qui pas gagné présence force de l'ordre là-dedans pour yo capable continuer violer droit paysan yo. Ou ta coûte déclaration Bertie Doras Naba la Tibonite, directeur exécutif RDDH la Pierre Espérance dénoncé en baisse augmentation en baisse avec violence gang examiné pour l'estimer conflit entre conseil présidentiel transition avec chef gouvernement Garry Conille mais contribué à aggraver la sécurité paysan. Pierre Espérance dénoncé un autre bord déclaration ambassadeur américain en Haïti Denis Berenkens qui fait connaître ça gain quelques jours que ambassade États-Unis en ben qu'on a parlé gain communication limitée avec chef gang dans pays. Nous présentons sympathie nous by tout le monde dans la zone métropolitaine, Yohan Piloui, qui a passé au massoufé en bas terroriste sa yo, qui c'est gang yo, sa yo mette dans le pays qui a marché, attaqué, bien monde, détruit la vie monde, fait tout ça. Ça. Nous solidaires avec les gens qui ont paquet qui ont déplacé qui la caillou. Même j'en tout, dans le commencement d'octobre, dans le premier jour du mois d'octobre, il y a une attaque qui fait dans Ponsonde, côté que ou gen directeur départemental police là qui était là laissé à Paul Mena qui impliqué jusqu'au cou dans attaque ça qui pas fait rien dans complicité connivence liée avec bandio et qui fait que attaque ça pour pipiti gen 90 monde qui mouri et sans compter toute l'autre attaque que gang yo fait dans zone métropolitaine là tant quoi Kaye dans Solino et Solino depuis deux semaines population en zone c'est pas ban à paquet qui a quitté zone là et en bas et gang yo en bas impuissance autorité yo et dans l'état côté que et ça qui a passé division qui gagne dans CPT avec gouvernement scandale qui gagne dans CPT à côté que les trois membres qui impliqués jusqu'au coup dans corruption gagne un gros impact sous question sécurité dans le pays a ou pas capable résoudre problème sécurité a si ou gagne Carlos Ekil dans tête ministère de la justice. La police n'a pas qu'à résoudre le problème pour compris si pas gain amélioration dans la justice là et pas gain amélioration dans la sécurité si trois mouns qui dans CPT a qui impliqué jusqu'au coup dans scandale dans corruption si yo pas mettez corps sous côté insécurité a c'est pigote chargé pour population haïtienne là côté que jodi a moun pas qu'à circuler moun pas qu'à fonctionner. Peuple haïtien sont massoufés, la passé en bas théorie ça, en bas gang yo, et bien nous espérons que police, pour gagner unité en dans la police, pour que hiérarchie police montre que yo gen ça leadership pour permettre qu'ils agissent avec sérénité contre gang yo. Parce que gang yo fait trop, bandit fait trop. Le terrorisme population en trois. Vous dites désaccord qui vient dans l'exécutif là, CPT, pour le disgarbonné, qui a un impact sur la sécurité et pays. Mais il y a un autre point dans le dossier ça qui soulevait gros débat dans la société, c'est la déclaration de l'ambassadeur américain en Haïti, de l'Angers, dans la région de Paul, qui connaît que quand il y a un contact entre l'ambassade là et chef de gang dans le pays. Moi-même, je pense que c'est un mauvais signal que le monde qui a sanctionné, les bandits qui a sanctionné de l'autre monde dans la société qui a une relation avec gang, et puis eux-mêmes pour parler avec bandits et pour question de sécurité. Une ambassade dans un pays, une mission diplomatique, ils ont gagné pour travailler avec l'autorité. Et l'autorité est constituée. Mais en aucun cas, ils n'ont pas doué à travailler avec gang, avec terroristes, comme quoi pour demander des bandits. Telle attaque ou fait, est-ce que c'est l'ambassade là qui visait? Ça, c'est scandaleux et nous-mêmes nous dénonçons ça.
Voilà, tant que déclaration, Pierre Espérance, insécurité qui gagne dans le pays, son insécurité planifiée, d'après docteur Franz Lage, ophtalmologue là, et puis qui s'est engagé, le jeu doit être sous état, sous état situation pays, et puis demander peuple haïtien pour mobiliser, pour joindre un élément solution avec la crise sécurité là, docteur Franz Lage. Ça capte pas que la commune, nous te prévoit, nous te dit que insécurité, son insécurité qui est programmée. Tout gang ouais cap fait j'en ai cap fait la connaît même son bagage voulu son bagage programmé nous t'es dénoncé bagage ça devant Maison Blanche nous t'es dit que en réalité tout bagage ça c'est des États-Unis aussi puisque ça bagage balle c'est des États-Unis aussi comment t'as qu'à imaginer connaît même bien combien de Kenyans soi-disant qu'il a combien de la police là l'armée tout bagage et que Monsieur ça va gaspiller donc ça veut dire qu'on est que nous pas de problème à du papa au dieu nous mettre bouler nous mettre faire ça nous voulons nous pas de problème pour ZAM, nous pas un problème pour mission, n'a pas vu et d'ailleurs, l'ambassadeur américain lui-même, lui-même seul barrage qui était réussi, j'ai la négocié avec Gagné, c'est que l'ambassadeur américain n'a pas un problème. Donc là, il y a une expédition au Walter, ça veut dire que l'ambassadeur n'a pas été tout, mon bar est passé devant l'ambassadeur. Nous pas un peu, parce qu'on a fait le même nom, on n'est pas trouvé nous, mais mon bar est pas de mon bar est passé devant l'ambassadeur, on m'a entendu dire, mais son barrage nous va le faire, l'autre nous faisons et puis tout barrer. Donc en réalité, tout barrage, c'est de la poule aux yeux. Ou après, les supervisions va comprendre exactement à qui ça vient. Cela dit que vous faites commencer à venir. Et ça qui est important, nous dire que dans la sécurité, on se bat au milieu. C'est-à-dire que le monde qui a pris la sécurité, c'est le sérieux. Le peuple haïtien, c'est le bâton de sa mère. Le chute à l'avenir, le problème, ça a résolu dans 24 heures. Situation catastrophique en pays qui gagne la donne parmi l'autre démonstration des forces avec Axamio qui toujours annonce ça et c'est un bagage qui clair parce que Axamio toujours annonce ça d'après porte-parole alternative socialiste docteur Jean-Renaud Buteau porte-parole parti alternative socialiste a exprimé déception liée par rapport avec incapacité premier ministre Garry Conille pour assumer responsabilité dans crise là pendant le mandat population pour pas bail vague et puis continuer mobiliser pour retirer pays dans ça là et Jean-Renaud Buteau était avec Michel Xavier. C'est catastrophique mais il était prévisible. On va prévoir que c'est exactement scénario ça, scénario apocalyptique ça, c'est pas l'idée de prévoir. Même qu'on est que comme disait Jacques Chirac, il y a des histoires qui ne peuvent finir que mal. On m'a répété ça mille fois et c'est ça lié. Il y a des gens qui étaient innocemment à l'appuyer pour jeter ça, pour jeter chaotique ça, mais ils sont responsables. Mais l'autre monde, ça me dit que l'international, le branche de l'oligarchie, avec le branche de politicien qui vient dans les tête, ils n'ont même pas gardé les responsables, parce que c'est ça même qu'ils viennent faire. C'est eux qui mettent les gangs. Je n'ai plus jamais dans ce livre. Je vois un message de solidarité pour eux. Je vois un mot sympathie pour eux. Pour eux connaître que moi-même, moi avec eux, avec tout cœur, moi, avec toute force. Moi. Situation ça a venu, Dr. Buteau, dans le contexte côté Premier ministre, par suspens annoncé que l'IPCAL prend caille par caille, quartier par quartier, permettre que Mounio retourne la caillou, alors que nous sentons Bendio de plus en plus confortable dans l'action que a mené contre la population hein, qui, par contre, qui s'est pour le relais de jour en jour. Pour être honnête, Premier ministre décevable. Je ne dis pas que je ne suis pas sauvé. Je ne pense pas que j'étais rentré dans un bagage d'énagogie, aventure de pouvoir personnel, etc. Je ne pense pas que j'étais dans un chambre. Ça ne veut pas dire pour autant que je dis que je ne suis pas caillé, pas caillé. Je ne pense pas que le Kumbaka dit son bagage volontaire, il choisit pour gagner. Mais définitivement, ils sont échecs dans l'expérience de gouvernement. Maintenant, et dans ces circonstances, à tout prix, Bendio voulait prendre le contrôle à Kaye, la cité du drapeau. Jusqu'à présent, il y a des gens qui connaissent sa volonté à Kaye. Moun à Kaye toujours abdomen, j'ai ouvert, j'ai fermé. Pas plus tard que hier, une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux, nous avons Bendio qui a un uniforme de police, ZAM bien équipé, qui détruit net commissariat, cabaret, on l'autre fois montré impuissance. Et la police et continue de défier l'autorité. Moi, tout à l'heure, j'ai parlé à un ancien personnel civil de la police qui connaît le phénomène ça, qui te connaît. Il continue à dire, malgré que moi-même, moi j'ai pensé le contraire, mais il continue à dire que la police est équipée et capable de faire travail là. Voilà, pour la déclaration, Jean-Hénold Bipo.
tout gagné. Secrétariat au général la présidence qui est dans date 29 octobre 24 là, écrit secrétaire général la primature là, Camille et Junior Edouard, pour faire le connaître, CPT a voulu rencontrer communiste Gary Conis dans sa salle une invitation dans une séance de travail qui était arrivé fait hier mercredi 30 octobre là, dans la ville d'accueil. Discussion d'avoir fait surprise et sous mercenaires étrangers qui t'a présent en dans un pays dans Moscou 24 heures gagné secrétaire général la primature là Camille Junior Edouard qui répond secrétariat général là par le national là en parlant en deux Madame Marie et Régine Joseph Haddad, qui est secrétaire général là, à mes côtés, et la primature fait qu'on est, les recevoir, et invitation en CPTA pour rencontre ça, t'arrive fait, premier ministre Gary Conis, et pas capable, présent, les solliciter pour reporter rencontre là, semaine Cap Vini, et non, l'être réponse là, la primature fait qu'on est que CPTA gagne tout temps, et pouvoir ou bien toute prérogative, pour choisir qui joue dans ce maintenant pour fixer rencontre là. Ancien ministre sans portefeuille sous président Saint-Jovenel Moïse Mathias Pierre fait connaître ces distractions, dénonciation ministère justice d'un complot présumé qui visait assassiner premier ministre Gary Conis avec la ministre Lio. Mathias Pierre encourager chef gouvernement à conseil présidentiel là qui engagé yo dans un conflit pour concentrer hôpitaux sous solution yo doit porter à problème population. Mathias Pierre était avec Marie-Lucie Bonhomme. Moi pense que c'est une distraction, nous avons une dynamique de distraction et je pense que faut qu'on sortie des distractions pour nous rentrer dans adresser problème pays. À savoir ça que nous vivons là parce que pas bien que dès le départ pour songer moi-même moi j'ai toujours dit y a un pouvoir qui gagne la donne un collège qui gagne 8 9 5 6 monde les cas difficilement fonctionnel en d'un pays là. Et il te dit que meilleure solution pour pays à avancer c'est un président de la Cour de cassation qui pour permettre nous stabiliser politiquement pour avancer de l'avant. Ça, c'est des positions. Je veux dire, il faut que nous fassions attention, puisque la politique, la réalité politique, l'élite baille un conseil présidentiel, et de conseil présidentiel là, le premier ministre que vous nommez, qui pour diriger le gouvernement, en d'autres termes, exécuter action qui est importante pour vous, moi, je pense que c'est ou bien vous joignez les gens pour vous fonctionner et mettez focus vous sous chantier transition qui c'est sécurité à élection au lieu que il y a une bataille à l'évini yon à l'autre à l'intérieur du CPT ou entre le CPT et la primature qui ne fait que affaiblir l'État et renforcer les gangs armés qui continuent à terroriser la population et terroriser le pays. Mais c'est un ancien ministre Jovenel Moïse qui dit ça son une distraction. Songez, il était qu'on a parlé de ça en pile et sous Jovenel Moïse, il nous gagne exemple Tibois, que son complot qui t'a fait pouvoir à l'époque t'es parlé de tentative de coup d'état, des monde qui t'en fasse pouvoir t'es dit mes amis, il a pas gagné coup d'état et finalement dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, nous connaît ça qui t'est arrivé. Bon, Gabon pour moi et puis approprié. Nous sommes ministres effectivement, le Tibois a passé, mais nous battons des présidents et sorti une note, lui dit, mais il y a une tentative d'assassinat qui a fait contre lui. Il a été arrêté en paquet de monde Tibois et il a été présenté au bas de la nation. Il a été dit, mais qui monde qui t'a tenté faire coup d'État. Certainement, comme honnête avec vous, pas de gagner un rapport réel qui est sorti, puisque là-bas la suite. La justice t'est libérée, mon Dieu. Jodien, hein, pas oublier que c'était au niveau de présidence. Il était allé plus loin que vous communiquez, non seulement. Non, ma fini. Jodien, le gouvernement, à savoir le premier ministre, il est le chef, on est capable de dire, et deuxième tête exécutif là, et jusqu'à ce que bon, l'autre dynamique ou encore institution qui remplace gestion sécurité dans le pays, hein, le CSPN, c'est lui-même qui chef CSPN. Ça veut dire que c'est chef numéro un qui gérait tout ce qui a rapport avec la sécurité dans le pays. Docteur Franz Lage, ministre des conflits qui existait en tant que conseil président de transition et puis la primature et puis continuer à plaider en faveur, mise en place un exécutif avec un président qui soutient dans la Cour cassation. Docteur Lage, dit un autre bol, l'hypothèse de solidarité avec un gouvernement, mais qui t'a fait complot avec chef gouvernement, a subi ou bien qui gagnait complot qui visait assassiner en côté Franz Lage.